baby, no so go be away. And he say, I am moto te ou. Waouh, c'est super. Florent Musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Florent Musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous car qu'on s'est pensé mon inga moto. Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba lolo muti masali ke ba jalou ba sala wè bazwa zéro. Pactol TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Vous nous découvrez grâce à Pactol TV. Très heureux de vous avoir. Bienvenue dans cette émission Flairon Musical. Ici, à Lubumbashi, il y a également des chantres de l'éternel qui servent les seigneurs à travers leurs talents, leurs potentialités. J'y arrive. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir sur votre chaîne Pactol TV une chanteuse de l'éternel qui fait un travail formidable ici à Lubumbashi. Elle a inscrit son nom dans les annales de la musique chrétienne à Lubumbashi. Elle s'appelle la sœur Bijou Bain Okito. Vous la découvrez sur Pactol TV. Elle est surnommée la sœur Marie Missam de Lubumbashi parce qu'elle a presque imité le rythme, si je peux le dire, de la sœur Marie Missam. Alors, pour mieux vous faire découvrir la chanteuse qui sera notre invitée de cette émission, je vais vous proposer ce clip qui va vous donner quand même l'image de l'invité de cette émission Flairon Musical sur votre chaîne Pactol TV. Nous remercions d'ailleurs en passant le frère Innocent Lolo Mutima qui est d'ailleurs le visionnaire de Pactol TV, cette chaîne qui vous fait également découvrir les musiciens d'ici chez nous à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Suivez ceci. Yesu na pusani liboso na yo, na eko netola monene na yo, na eko tatola bonzambe na yo. Musika na zala kina nyako kake koyebanga. Qui compte sa chanson? Notre amour est l'amour qui est la suite des zéros. Notre amour est l'amour qui est la suite des déceptions. Mokolo na kutala kina papa na ngamoli moe.
soit bon moi na nyonso zoluka ya mokolo na kutala na yeso kulu na motema nanga mokolo na kutala na yeso na zwa esengo ya vi na shonza nanga avec nous, elle s'appelle Mama Bijou Bein Okito. En tout cas, elle fait un travail de qualité ici chez nous à Lubumbashi. Bienvenue Mama Bijou.
Merci papa Rolly. Vous allez bien? Oui, ça va et Dieu fait grâce. Un plaisir de vous avoir sur Pactol TV. Vraiment, également moi aussi. Vraiment, ça, c'est une joie d'être sur Pactol TV. On vous découvre pour la première fois à travers le monde. Vous avez fait vos preuves ici à Lubumbashi. Vous avez inscrit votre nom dans les annales de la musique chrétienne ici à Lubumbashi. Pour tous ceux-là qui vous découvrent à travers le monde, qui est Maman Bijou? Maman Bijou est une chantre, est une servante des dieux, est une maman pasteur, est une mère de plusieurs enfants. Waouh! Comment vous avez commencé la musique? En fait, la musique, je commençais à l'église. J'ai commencé à chanter à l'église il y a de cela 6 ans. Le jour que la sœur Marie est décédée, c'est quand j'avais voulu faire quand même quelque chose pour se rendre hommage à la sœur Marie et rendre gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous avait donné la sœur Marie. Et c'était ainsi que j'ai commencé ma carrière. Waouh! On dirait que vous êtes beaucoup plus révélé lors du décès de la sœur Marie Missam. Bon, je peux dire oui, parce que lorsque j'interprétais les chansons dans l'église, j'interprétais beaucoup la sœur Marie. Alors il s'est fait que je préparais mon album petit à petit. Mais comme j'avais besoin de faire quelque chose avec elle, sa patte est nue, malheureusement pour moi, elle est décédée. Et c'est quand j'avais voulu faire ce que j'avais fait là. Vous l'avez connue? Non, personnellement. Non. En tout cas, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais dans des images, à la télé, c'est là où je l'ai beaucoup aimée. On a eu quand même le temps de vous découvrir dans des prestations ici à Lubumbashi, voire même dans vos albums, dans vos chants. On remarque que vous incarnez plus la sœur Marie Missam. Qu'est-ce qui vous pousse à pouvoir, aller dans le courant Marie Missam? En fait, la sœur Marie, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais beaucoup... Donc j'ai pris tout mon temps de la travailler. Et si vous voyez, j'ai fait 6 ans en train de chanter à l'église. Alors ces 6 ans-là, j'ai pris tout le temps quand même de travailler la sœur Marie. Donc elle était entrée au Balobaka Kotitina Nipua. C'est comme ça que dans mon album, il est difficile que tu vois vraiment mon touche, mais plus la sœur Marie. Quelle serait Maman Bijou si Marie Missam n'était pas décédée? Ouais, elle serait Maman Bijou. Avec du peintre de Marie Missam? Non, avec le touche de Maman Bijou. Parce que c'est vrai, dans mes chansons, il y a du Marie Missam et il y a aussi du moi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Maman Bijou avec Marie Missam et Maman Bijou sans Marie Missam, ça donne quoi? Wow. Avec la... Maman sans Marie Bijou, Missam. Sans Marie Missam. Ouais. Wow, nous rendons gloire à Dieu. Voilà, nous disons merci à Maman Blanche Toudilou, voilà, qui nous suit à Paris, en France. Merci également à la sœur Dorcas Kaja. Maman Bijou, vous nous apportez un album qui est déjà sorti ici à Lubumbashi. C'est vrai, les gens vont découvrir cet album à travers le monde, Bombanga. Oui. Un très bel album. Merci. Avec une profondeur aussi de qualité. Oui. On peut savoir ce quoi vous parlez dans cet album, le message. Bon, dans cet album, je suis en train de parler d'abord premièrement de la reconnaissance. Je suis en train de reconnaître ce que Dieu a fait dans ma vie pour que je puisse arriver jusqu'à faire un album. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et la deuxième chanson, c'est « Je veux être à toi ». Je dis à Dieu, Seigneur, je veux être à toi. Dans tout ce que je veux faire, que je sois toujours là, près de toi. La troisième chanson, c'est Mozindo, où je dis à Dieu, Seigneur, Memangana Mozindo, dans ta profondeur, que je sois toujours dans la profondeur. Et la quatrième chanson, c'est, je pense, Naboa Kimotole, où je jette ma couronne, je jette ma beauté, je jette tout pour danser pour le Seigneur. Il y a aussi Kombo na Yesu, je dis, il n'y a que le nom de Jésus qui sauve, il n'y a que le nom de Jésus qui guérit, et il n'y a que le nom de Jésus qui fait tout. Waouh! En tout cas, une très belle réalisation musicale avec des titres aussi intéressants. On a suivi quand même reconnaissance avec tous nos amis qui nous captent à travers le monde.
Reconnaissance, une très belle chanson. La sœur Marie Missam également a chanté Reconnaissance. Ce n'est pas le même cantique ou bien le même message. Non. C'est pas le même message. C'est pas le même cantique. Je peux dire, à la fin de la chanson, j'avais pris quand même quelque chose de la sœur Marie où j'ai dit Nawela ninye ngayo, na boma moto po ninye ngayo. Là, c'est pour la sœur Marie, mais le reste, c'est moi. Moi, je reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie. Et la sœur Marie aussi reconnaît Dieu de sa façon. Bon, interprète à capé, banze, moi, Marie Missam. Oui. Toi, quand on a une reconnaissance, il y a Marie Missam. Wow. Sur Pactol TV. Je vais même oublier encore. Ce n'est pas vrai. Bon, c'est quand on était pour nous, on a Bibli, on a ma boko. Et si quand on a son akokende. Como ya zambe na mono kona ngayo Masale ya zambe oyo baza koteya biso tango nyoso boye biteti na nini oyo zambe Asalela bango po basalela kaye. Wow, en tout cas, super. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier dans cet album? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelqu'un qui tomberait sur l'un des clips de votre album, qu'est-ce qu'il peut avoir comme... bénéfice. La seule chose que la personne la peut retenir est que avec Dieu, on va faire tout. Avec Dieu, nous allons réussir. Et que là où ton intelligence était limitée, c'est là où Dieu va commencer. Avec cet album, il y a un message fort d'espoir, de l'espérance aussi et de réconfort. Ouais. Je rappelle quand même à tous nos téléspectateurs que Mama Bijou Ben est parmi les rares musiciennes qui font un bon travail ici à Lubumbashi. D'ailleurs, les clips, vous le voyez, la façon de chanter, c'est aussi particulier. Vous aviez d'une certaine manière signé un concert à la salle Horizon ici, un concert vraiment fou, le tout premier concert de votre vie et qui est réussi. Vraiment, c'était le jour de la sortie officielle de l'album. Ouais. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais Dieu a fait grâce quand même. Ça a tenu. Vous vous attendiez à ces succès-là? Bon, je m'attendais avec Dieu, oui. Mais j'avais des doutes. Surtout qu'il y avait le pasteur Moïse Mbé qui jouait aussi. Oui, ici. Le même jour. Le même jour à l'hôtel Caravia. En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi. Et surtout que presque sur 100%, presque 90% voulaient que je puisse changer de date. Parce qu'il y avait le pasteur Moïse Mbé, il y avait le frère Blaise Maka, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi Maman Bijou qui vient s'imposer. Vous voyez un peu que ce n'était pas facile. Mais je savais que Nzamba bat des filles, on en dit, mais là. En tout cas, Kokai Kosa la Bikamo. Et c'est ça le Bikamo qu'on a fait. Quelqu'un m'a dit que vous êtes beaucoup plus assuré de vous-même. Donc vous vous acceptez. Si. Bomindi makabino moko. Si. Na mindi maka na ebi nzambo na sale na ka. Et na ebi nzambo mare mi sama bando sale la. A Kokai Koti kangati. Aujourd'hui, si quelqu'un pouvait vous suivre et qui pouvait, je ne sais pas moi, vous envoyer une invitation. Facilement, vous allez... Bien sûr, les invitations, on ne refuse pas. Mm-hmm. Sauf que avant de recevoir cette invitation, on doit d'abord parler pour savoir si j'ai pas un programme ou j'ai un programme. Si j'ai pas un programme, je vais facilement. Maman Pasteur, comment vous gérez votre agenda? En tout cas, c'est pas facile de gérer aussi Maman Pasteur, mais on fait le tout pour qu'on puisse satisfaire tout le monde et la maison. Et l'église et ma carrière aussi. Ouais. Mais c'est pas facile. On peut quand même, Maman Bijou, évaluer votre album depuis qu'il est sorti. Comment vous le jugez sur la scène musicale? En tout cas, c'est très bien. C'est très bien parce que je ne m'attendais pas à des choses que je suis en train de voir. Mais Dieu a fait grâce. En tout cas, l'album, ça va. Sur le marché, ça va. Pas de critique de la part de... Bon, les critiques ne manquent pas. Les critiques ne manquent pas et des conseils aussi ne manquent pas. On accepte des critiques pour faire encore mieux que ça.
Et ça vous pousse également à pouvoir préparer un autre travail ou bien oui. Vous vous arrêtez d'abord, vous foncez avec la promotion? Non, non. En fait, je prépare un autre concert pour d'ici le mois d'avril. Mm-hmm. Oui. En tout cas, un grand plaisir, très chers téléspectateurs, d'avoir Mama Bijou sur Pactol TV, meilleure artiste féminine de Lubumbashi. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Si vous le dites, c'est vrai, je ne sais pas. Voilà, apparemment, en zone du Maté. Non, ma artiste basée Belé. Soit ma Poningaï, gloire à Dieu. Beaucoup de trophées. Oui, bon, ça se mérite. C'est mérite, toujours bricoler, on fait ce que Dieu nous met à cœur. Mm-hmm. On fait donc tout ça, la moussala, oyo, moutouako, c'est bien en gros pour que Bapé soit pétrophile. Une certaine voix reproche beaucoup plus les artistes de Lubumbashi de ne pas faire la promotion de leurs œuvres ailleurs. Ça veut dire qu'ils se limitent toujours à Lubumbashi. C'est aussi, je ne sais pas moi, votre cas. Bon, c'est pas mon cas, moi je... Parce que moi... le message qui est dans l'album doit être entendu un partout peu partout. Au monde, ouais. Oui. En tout cas, c'est ce qui est vraiment mon grand souci pour aller partout au monde. Et heureusement pour moi, le frère Lolo a accepté de, que mm-hmm. nous puissions passer sur Pactol TV. Il y a aussi mon grand frère qui est en Belgique, mm-hmm. qui a une chaîne aussi de télévision, qui fait mm-hmm. passer toutes mes chansons aussi là-bas. Mm-hmm. Oui. Et sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y en a... Et je pense qu'avec Pactol TV, on fera encore plus mieux. Et dans le management de votre carrière, ça se passe comment? Vous avez quelqu'un qui vous manage? Ou bien ça se passe comment? Vous avez un bureau? Je ne sais pas moi, comme ça bon, se passe ailleurs? Je n'ai pas encore les histoires de bureau. Mm-hmm. Là, je n'ai que mon mari mm-hmm. qui est comme mon manager. Mm-hmm. Oui. Et quand vous devez aller prester, ça se passe comment? C'est vrai, vous avez toujours des invitations. Par-ci, on vous par appelle, là, oui. Par-ci, par-là, oui. Tout ça, tout ça. Et ça se passe comment? C'est une cuisine interne. Oui, bon, en fait, mmh. on prend ce que... Tu vois, je peux me retrouver avec 3 invitations. Mmh. Mais je veux prendre les 3, je prends quand même le temps de prier sur le 3. Si Dieu me dit, va... à cette invitation, j'abandonne les deux, je fais à ce que Dieu me dit. Je ne peux pas faire de maman bijou parce qu'on m'a invité, je pars ici, j'ai fait une heure, j'ai fait là-bas 30 minutes, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé. Moi, j'aime si on m'invite quelque part, je vais, je presse et je termine ces concerts-là. Oui. Alors, très chers téléspectateurs, on va vous proposer Maman Bijou sur scène. Vous l'avez suivi dans un clip. En tout cas, on vous la propose en exclusivité. Dans une prestation, c'était à la salle Horizon ici chez nous à Lubumbashi pour que vous sentiez comment l'artiste reste sur scène et juste après on va revenir. Bakoma kina bango ba masae Elia luka kio ya yanangai Omema ye na mosindo Motwe kitaki
ziki saki etumbelo e baby saki misala nyoswe ya bazambe na bala e yesu e hana luka kio ya yanangai home maye na mosino opesa kie mwana samueleo Oyo mokili mobimba yeye biye Yoka Ata soki ba tsola yo Ata soki ba singa yo kweto bota kate Na zoye bisa yo eloko moko Na poko alelo Nzambe oyo ngana sale lafa Asala kabika mwa Bako sanje langage Pwete ba finga ana Melelo A partir ya lelo bako finga yo li susute Pwete nzambo na sale la kanaye bakaye Hana luka kio ya yanangai Ome maye na mozido Opesa kie mwana samwele Oyo mokili mubimba yeye bie Naipena lukio ya yanangai Memanga na mozambe Miko bala na e Nyonso likolo ya mbongo e Nyonso wana likolo ya gloire o Naina senge yo ya yanangai Memanga na bonzambe Naina bunga te Naina pengwa te Buena Bazulia
Voilà, la chanson c'est Mozindo. En tout cas, une très belle prestation, Maman Bijou à la salle Horizon. Merci. Une première prestation, mais qui réussit comme on l'a dit. Vraiment, c'était pas facile. Ah. Oui, oui, c'était pas facile, mais gloire à Dieu parce que c'était une réussite pour moi. On espère aussi vous voir sous autres cieux, ailleurs, aller prester quand même Kotombo la Bendele à musique et à Lubumbashi, musique chrétienne. Vraiment, je pense qu'avec Dieu, ça va réussir, on peut aller partout. On parle quand même de vos perspectives à venir dans la musique. Qu'est-ce que Maman Bijou vise pour l'avenir? Waouh, ah, ça c'est Dieu. Ça c'est pas moi qui peux décider, c'est Dieu, parce que mon programme et le programme de Dieu c'est pas deux choses. Mais vous personnellement, qu'est-ce que vous visez? Vous sortez un album qui fait waouh, album Bashi, un concert waouh. Mais vous personnellement, qu'est-ce que vous visez pour l'avenir? En tout cas, je pense aller aussi ailleurs. Je pense aller aussi ailleurs, aller montrer aux enfants de Dieu mon album. Et qu'on puisse se connaître aussi avec d'autres qui sont ailleurs en Belgique, à Bruxelles, aux États-Unis, par-ci, par-là, oui. C'est ça qui est dans mes pensées, dans mes projets aussi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir eu sur Pactol TV. Vraiment. Votre mot de la fin. Par rapport à tous ceux là qui vous ont découvert à travers le monde sur notre chaîne. En tout cas, merci beaucoup Pactol TV de nous recevoir et merci à tous les téléspectateurs qui auront quand même l'occasion de voir mon album. Soutenez-nous en prière, soutenez-nous avec des conseils et si vous avez besoin qu'on puisse venir, appelez-nous, nous sommes là et on va venir. Monsieur Lolo, merci. Merci beaucoup. Je pense que on viendra parler, on viendra. Vous allez faire que nous puissions venir. Je pense qu'on va venir à Paris à travers Monsieur Lolo et Pactol TV. En tout cas, Botombama. On va dire merci à la grande équipe qui nous a servi. Très chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous avoir présenté Maman Bijou, chantre de l'Éternel, évoluant ici chez nous à Lubumbashi. Vous voulez la voir, en tout cas, vous allez découvrir bien des choses à travers elle. Elle fait vraiment une musique qui honore les seigneurs ici à Lubumbashi. On dit merci aux visionnaires de cette chaîne, le frère Lolo Mutima. On se retrouve donc à la prochaine dans cette émission toujours Flairon Musical. Bye bye. Waouh, c'est super! Florent Musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super! Florent Musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV.
Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites le 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites le 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites le 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites le 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'intercession, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur 3xw.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur des dieux, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, les cœurs des dieux. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na Bwala Kutala Babuti, Toku Salama Kambo, Kisika Yakulala, Memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous.